Je sais pas, mais... Je sais pas, mais...
Voilà, je vais vous présenter une personne qui s'appelle... Moi, je suis en admiration devant toi, parce que J'ai toujours vénéré, parce que pour moi, Johnny, c'était une personne très importante pour moi depuis que je suis gamin. Et quand je voyais sur ses shows, c'est fantastique, avec sa bande de potes, les Desperados, jamais j'aurais pensé te rencontrer, parce que Joe Rodriguez était le président, voire vice-président du club de Johnny, et Johnny était le président. Maintenant, je te laisse te présenter parce que tu as tellement de choses à dire. Et n'hésitez pas si vous avez quelques questions, parce que après on va en chier. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde. Voilà, je suis Joe Rodriguez, président du club Desperados. Et voilà, je veux que tu me dises autre que... Alors, je vais te poser des questions parce que les gens n'osent pas parce qu'ils sont très intimidés. Maintenant, je commence à te connaître. Comme moi. Joe, en quelle année le club Les Desperados ont été créés? En 92, avec Johnny Hallyday. C'est-à-dire que tous les couleurs qu'on peut voir dans le dos, là, c'est les couleurs que Johnny a voulu faire. C'est-à-dire les couleurs, la tête, Desperado, qui veut dire en mexicain, hors la loi. Voilà, donc Johnny, c'est vrai que ça était toujours plus ou moins hors la loi, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais il vivait. Encore en espagnol. Alors pour ceux qui ne savent pas et qui sont novices, les couleurs, quand on dit les couleurs, c'est sur la jaquette. S'il y a un homme qui veut l'aimer ce soir, elle est d'accord. Non. J'y vais tôt. Et alors, j'ai cru lire dans la presse que Johnny a été à ton mariage. Oui, il était témoin de mon mariage. En 93, il était témoin pour ma femme, et moi j'avais Adeline comme témoin. Et j'ai vécu 5 ans de vie. J'ai vécu 5 ans de vie commune avec Johnny jour et nuit. Un, deux, trois. Quand tu dis que tu as vécu 50 jours de vie commune, mais... Comme un couple. C'est-à-dire jour et nuit chez Johnny Hallyday, c'est-à-dire Villa Molitor, La Lorada, et partout, Los Angeles, les boutiques, partout. J'étais partout avec lui. Et moi, il y a une chose qui m'a toujours marqué quand j'étais gamin, enfin que des gamins plus moi, bien sûr, c'est quand j'allais à Saint-Tropez, j'allais en vacances à Cavalère et autres, et puis bien sûr on allait faire notre petit tour à Saint-Tropez, avec le fameux restaurant au bar, le Sénéqué. Tout à fait, oui. Où t'avais Lee Barclay, t'avais Carlos, t'avais toute l'équipe. T'avais Lee Barclay, ouais, Carlos, il y avait tout le monde. Et quand je vous voyais arriver avec la chaussée fantastique, là, c'était la hors sauvage, là, c'était extraordinaire. Alors, oui, tout à fait. Alors, je voudrais dire aujourd'hui qu'il... Une chose quand même très 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 importante, le club Desperados, il était mort, il était pas mort, il dormait. Et grâce à Bruno, alors j'aimerais le dire parce qu'aujourd'hui si on est là, c'est grâce à Bruno. Bruno, il m'a convoqué chez lui, à Marseille, on a fait des soirées, il m'a dit « Joe, le club Desperados, tu peux pas laisser mourir. » Donc il m'a tellement gonflé, il a fait comme toi, Cocotte, il m'a mis devant le public, il m'a fait accomplir ça. Et j'ai dit à Bruno, écoute Bruno, on va remettre le club en route. Et aujourd'hui, tous les Desperados peuvent dire merci à Bruno. Sans Bruno, le club Desperados ne ferait pas aujourd'hui ce qu'il est. Voilà. Et je suis très content et je remercie quand même Thérèse qui est venue de Marseille, elle est là. Parce que grâce à elle, Bruno l'a pas fait des nuits avec moi, des nuits, pour pouvoir mettre le club en route. Et je remercie mon bureau quand même. J'ai un bureau. J'ai un secrétaire, j'ai un trésorier, arme chargeant, c'est quoi? Eh bien, il va vous dire c'est quoi un arme chargeant. Il va vous parler comme un Marseillais, avec la bouche en avant. Un Marseillais, un vrai celui-là, un vrai. Bonsoir à tous. Ne rigolez pas quand je parle, c'est pas une blague.
Donc moi je suis donc sergent d'armes chez les Desperados et je suis chargé de, du maintien de l'ordre et de la sécurité dans tous nos déplacements et en parallèle à côté de Jo, je suis son garde du corps. Voilà. Et donc pour le comment dire, c'est dur de parler dans un micro. Change de micro. Pose-moi des questions. Ah bon, alors t'as quel âge toi? 25. Ça dépend de quel âge elle a en fait. Qu'est-ce que t'as mangé quand t'étais petit? Des frites ou des nouilles? Dans la soupe au pisco. Alors bon, en gros, parce que je sais que vous verrez beaucoup sur Facebook parce que c'est un grand mélange des timides, des timides. En tous les cas, une chose est certaine. Comment j'ai connu les Desperados? Et comment je suis rentré chez les Desperados? Il m'a dit, j'ai du Jack Daniel, tu viens? Alors je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Je pense que certains d'entre vous ont vu l'émission où je suis passé, que ça m'a fait très plaisir malgré tout, sur TF1, en reportage. Et bien ce monsieur-là, c'est à cause de ça que j'ai connu. Parce qu'il a entendu parler, non, il a vu les extraits, il a vu les Desperados à la télé dans les reportages. J'ai dit, mais c'est quoi ce bordel là? Qui c'est qui porte les couleurs Desperados? On est en train de les réveiller, et d'un seul coup, il n'a pas le cul, c'était un de ses frangins. Qu'on a ici, vous connaissez beaucoup, c'est Nounours. Et j'ai la réalisatrice de TF1 qui m'a appelé et dit, Coco, je suis emmerdé. Attends, je vais prendre l'eau. J'ai la réalisatrice de TF1 qui m'a appelé, Andréa, elle me dit, Coco, j'ai un problème. Ah, Jo, c'est quoi ce problème? Elle me dit, là, je suis avec Jo, le président des Desperados, il va te faire un procès, il va nous faire chier, il va... Mais Jo, faut le tour pas. Vous avez les Desperados qui ont été... Il y a une personne qui fait, oui, c'est Nounours, mais c'est un ancien. Bon, donne-moi le numéro de téléphone. J'ai appelé Nounours dans la foulée, j'ai dit, Nounours, il ne reste pas ça. Il me dit, quand ça va, je gère. Et après, moi, j'ai réussi à avoir le numéro à Jo. Je lui ai expliqué, et Jo ne savait pas ça. Et quand il a su que c'était pour, en hommage à Johnny, que c'était exceptionnel, il m'a dit, avec Coco, il n'y a pas de problème, on y va. Et depuis, on a sympathisé, et depuis, tout est sous contrôle. Ouais. Merci, à toi, Franck. Jo. Ah, putain, il y a le trésorier, il va vous demander d'oseille. Juste avant, j'allais parler d'argent. Alors voilà, bon, sur les choses de Johnny, il nous reste quelques souvenirs, c'est-à-dire tout ce qui est parfum qu'il a créé, tout ce qui est t-shirts qui ont été créés, tout est disponible ce soir, donc il suffit de venir voir au fond de la salle là-bas et on vous servira. Alors là, au fond de la salle là-bas, c'est quoi? C'est dans la véranda à droite. Alors ils ont des parfums, des t-shirts et autres. Et puis ceux qui veulent être support peuvent aussi s'inscrire. Amigo. 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 Et maintenant, on va voir un... Attendez, bougez pas. On va quand même faire un petit... Pardon. Et maintenant, notre petit Franck, parce que... Il y en a beaucoup qui croient que... Ah, si. Vous avez vu, mardi dernier, on était réunis chez moi, là. Et on a eu un bonheur extraordinaire, c'est d'avoir Jean-Baptiste Guégan qui est venu nous rejoindre. Et on a regardé ensemble l'émission, un incroyable talent. On était ensemble, puisque c'est pas en direct, et on a rigolé. En fait, Jean-Baptiste Guégan, qui est la voix de Johnny, avec son producteur, son membre, et porte les couleurs d'Esperados aussi. Et ce que je voulais dire, c'est qu'un amigo, c'est quoi? C'est, comme son nom l'indique, c'est un club d'amigos, c'est nos amis qui veulent mettre le pied sans avoir de moto dans le club. Donc adhèrent à l'année et ces gens-là font partie de la famille, bénéficient de... des projets, peuvent participer à nos projets. Et aussi, en étant membre, ils ont un t-shirt, un pins, qu'est-ce que c'est? Une carte de membre, bien sûr, carte de membre, voilà. Des autocollants, des trucs d'Esperados, et voilà. Et ils sont mis au courant des animations
qu'on participe et qu'on va créer. Voilà. Concert, déplacement, concentration, moto, ça. Voilà. Donc si vous voulez adhérer, c'est par là-bas que ça se passe. Et c'est Didier qu'il faut voir, c'est lui qui s'occupe de l'argent. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon appétit et un bon concert. Un bon concert. Et à bientôt. À bientôt. Bien, et bien maintenant vous restez là parce que là, on va au moins l'accompagner sur la première chanson, mais je suis pas sûr que je vais repartir après. Allez, prends fou le bordel, bordel. Allez, je vous viens avec moi. Allez. Allez, on va demander à tout le monde de se lever, on va demander à tout le monde de s'approcher, on va faire la première chanson. Allez, on va rendre un grand hommage à monsieur Johnny Hallyday, on va faire un truc bien sympa, on a besoin de tout le monde. Allez, s'il vous plaît, messieurs, dames, allez, tous ensemble. Hey, allez, tous ensemble. Allez, tous avec nous. Malgré l'obscurité, brille la lumière. Allez, tous ensemble. Dans la fin de la soirée, et j'aperçois qu'on lève ce team, et c'est mon verre que je retrouve le pays où est-ce la vie enfin. Où est-ce que la peine de cette grand-mère? Où est-ce que le froid, où est-ce que la flamme? Où est-ce que ma terre? Comme le temps de l'exil, et comme en permanent, ouais, pour aider à les femmes. Hey, tout le monde! On va trouver bien avant la vue, chez nous qui est rêvé, merci. Toutes les gens qui avaient appris, ouais, qui font l'envie de vivre, désir et plaisir aussi. La solitude aussi, comme le gêne des gens. Comme le gêne le silence, comme le phare du discours. Et toucher la misère, où il faut respecter l'argent. Comme le gêne de ça, par sa maladie. Comme le gêne de la pluie, faut que le gêne le jour. Le chien de la nuit, le chien d'aujourd'hui, oublier toujours. Right!
Et si tu vois, tu détaches, mais t'as mon amour. Yeah, yeah,
Tu veux
Lucky, on t'aime!